Mesdames et messieurs, bonsoir et voici les titres du journal. Le peuple béninois est attendu aux urnes le 11 avril 2021 pour l'élection présidentielle. C'est dans ce cadre que la Commission électorale nationale autonome Sénat a présenté ce mardi le projet de calendrier électoral. La proposition du calendrier a été faite aux institutions. Les détails sur ce projet de calendrier dans ce journal. Ouverture d'un atelier de sensibilisation et de formation à grand propos, il s'agit d'une rencontre organisée par le réseau des ONG pour les objectifs du développement durable. Au menu des travaux, l'agenda 2030 et ses outils d'opérationnalisation. Nous parlerons également dans ce journal de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes de la direction départementale de l'Atakora. Les différents acteurs impliqués dans le projet prennent part depuis mardi à un atelier de revue annuelle de leur plan d'action. Il s'agira pour la sous-section de faire le point des activités déjà menées et projeter des perspectives pour l'avenir. Toujours dans ce journal, nous allons recevoir Sonia Alonomba. Elle est la responsable du secteur sud-ouest de Canal+. Avec elle, nous allons beaucoup plus parler de la nouvelle offre de Canal+. Bonjour Sonia. Bonjour Monsieur Ulrich. Je serai avec vous dans un instant. Nous allons parler beaucoup plus des offres de Canal+. Ok, d'accord. Merci. Mesdames et messieurs, voici, on démarre ce journal. Le président Patrice Talon était hier face à la représentation nationale pour faire le point sur l'état de la nation conformément à la Constitution. Durant plus d'une vingtaine de minutes, il a dressé les avancées enregistrées lors de ces cinq dernières années dans tous les secteurs. Dans le domaine de la santé, de l'éducation, le chef de l'État a reconnu qu'il reste des choses à parfaire. Il invite le peuple béninois à le soutenir dans ses actions. Canal 3 Bénin a tendu le micro à quelques citoyens de Cotonou qui nous livrent ici leurs impressions. Nous allons suivre. Le président de la République a fait un discours impeccable. Et le chef de l'État a parlé côté du et santé, le chef de l'État a fait son mieux. Et côté l'éducation, le chef de l'État a dit que cette l'éducation, ce n'est pas bon, on peut améliorer ça. Je pense que bravo chef de l'État. Le chef de l'État, Patrice Talon, a dit qu'il a fait beaucoup d'infrastructures. Oui, le chef de l'État a fait beaucoup d'infrastructures comme route de quitter Assiné-Cocotte pour aller à Chola, à Sekandi. Le chef de l'État a fait cette route-là, c'est bon. Regarde, de quitter à Fidjiro, c'est pour aller à Kokbatu, à Godomé. Le chef de l'État a fait ça, c'est bon. C'est ça que nous on veut. Le chef de l'État, il a dit qu'il n'y a plus de tractation honteuse à l'Assemblée. Les valises ne circulent plus comme avant. Et quand il a dit ça, j'ai été un peu surpris. Ça veut dire que les valises circulaient avant. Et si les valises circulaient avant, c'est grave. Eh bien, au niveau du secteur politique, il y avait des transactions qui se faisaient et dont peut-être le commun des mortels n'était pas informé. Donc nous en sommes informés aujourd'hui qu'il y avait des tractations. Aujourd'hui, le chef de l'État dit qu'il n'y en a plus. Ah, nous prenons acte de ça et nous observons. Mais ce que ça révèle aussi, c'est que la corruption qui avait toujours été dénoncée, ça voudra dire que c'est dans la sphère politique que cette corruption-là était enracinée. Et que si l'on veut réellement éradiquer la corruption, il va falloir commencer par travailler au niveau des acteurs, des acteurs politiques sur, n'est-ce pas, cet aspect de la chose. On attendait le chef de l'État sur la réouverture des frontières avec le Nigeria. Le chef de l'État n'a pas pipé mot sur ce point. Or, c'est très important. On connaît l'utilité du Nigeria. Côté eau et électricité, c'est vrai, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès et le chef de l'État, sur ce point, à 80%, il a convaincu. Il y a d'autres points sur lesquels nous, on attendait le chef de l'État. C'est par rapport à la question sociale. C'est vrai qu'il a annoncé que le budget de 2021 est un budget fortement social. Mais nous n'avons pas eu de grandes annonces du chef de l'État. Les travailleurs que nous sommes, nous n'avons pas eu de grandes annonces du chef de l'État. C'est vrai que le chef de l'État a parcouru rapidement tous les domaines d'activité, mais nous a montré clairement dans son discours qu'il reste du travail à faire et qu'il y a des domaines où la situation reste encore préoccupante, à savoir le domaine de la santé, il l'a dit, le domaine de l'éducation. Le secteur, par exemple, de l'économie numérique,
le chef de l'État a reconnu que nous sommes encore très loin de nous prévaloir d'une couverture nationale par rapport à l'Internet et a projeté à l'horizon 2023 la probabilité d'atteindre un niveau appréciable par rapport à la couverture Internet. Ce qui est important, c'est qu'il y a des réformes qui ont été entreprises dont nous avons vu les résultats dans l'immédiat. Il y a des résultats qu'on aura à court terme, à moyen terme et à long terme. On a initié des choses, ce n'est pas fini. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si en 5 ans nous avons pu faire ça, imaginez plus 5 ans encore ce que nous allons faire et où va se situer le Bénin. Donc c'est ça qui est merveilleux dans le message. Le chef de l'État nous a appelés tous à la paix, à la concorde, à la fraternité. Il nous a rappelé que c'est avec ces trois éléments que nous pourrons continuer l'œuvre de développement entamée. Et donc que chaque Béninois et chaque Béninoise, quelles que soient nos visions, quelles que soient nos aspirations, quelles que soient nos perspectives, que nous puissions tenir compte du fait que nous avons fondamentalement besoin de la paix. Et avoir besoin de la paix, c'est d'utiliser des méthodes et des moyens qui concourent donc aux résultats que nous voulons chacun, qu'on soit d'un bord ou de l'autre, mais que nous puissions savoir que ces méthodes et ces moyens doivent nous permettre d'aller au résultat, mais tout en conservant la paix dans le pays. Globalement, le président nous a permis de nous révéler à nous-mêmes. Nous avons confessé nos péchés, nous avons dit non au travers, nous avons décidé de révéler le Bénin à nous-mêmes. Nous nous sommes révélés à nous-mêmes, nous avons révélé le Bénin au monde entier, nous pouvons être fiers. Et donc désormais, la barre est haute. Les Béninois ne vont plus permettre la distraction. Les Béninois ont compris que c'est eux-mêmes qui ont le développement de leur pays, ce n'est pas quelqu'un qui viendra les distraire. Nous allons dire merci à notre capitaine, le président Patrice Talon. Merci à tous les Béninois. Mikuro Tadagbe, le Bénin a de meilleurs jours devant lui. Le 11 avril 2021 se tiendra l'élection présidentielle au Bénin, une date que tous les Béninois en âge et en droit de voter attendent pour exprimer leur suffrage. Pour arriver à cette date, un certain nombre de dispositions sont à prendre pour le projet de calendrier électoral. Dans la journée de ce mardi, à Cotonou, la Commission électorale nationale autonome a présenté la proposition du calendrier aux institutions. Voici le point de Assoumoukani Assoumou. La Commission électorale nationale autonome a présenté le projet de calendrier électoral aux institutions. Un calendrier dévoilé lors de la séance de concertation le mardi 29 décembre à Cotonou. Cette séance d'échange fait suite à l'adoption en Conseil des ministres du 25 novembre du décret portant modalités d'élaboration du calendrier électoral. L'article 3 de ce décret stipule, cite, le calendrier électoral est élaboré par la Sénat en concertation avec les autres institutions de la République impliquées dans l'organisation du scrutin. À cet effet, la Sénat a voulu soumettre à votre appréciation le projet de calendrier qui a été élaboré en tenant compte, bien entendu, des grandes séquences et opérations prévues dans le décret précité. Le calendrier a été dévoilé en 17 points. Ça part de la publication du calendrier 90 jours avant le scrutin à la proclamation et la publication des résultats définitifs entre le 20 et le 25 avril 2021. Le calendrier prend en compte, entre autres, la mise à disposition des députés et maires du formulaire nominatif du parrainage de candidature du 10 au 31 janvier, la remise du spécimen du bulletin unique aux candidats, toute chose qui nécessite une organisation interne à la Sénat. La Sénat a élaboré son chronogramme d'activités à usage interne, bien entendu, et qui regroupe les différentes activités, y compris aussi les rencontres que nous aurons avec les OSC, avec les médias, dans le cadre de l'organisation de cette élection. Après lecture de la proposition, un débat a été ouvert et à l'occasion, quelques observations ont été faites que le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, a expliqué pour rassurer les institutions.
Nous allons à présent parler de la session extraordinaire des membres du comité de pilotage du projet de soutien à l'enseignement secondaire. C'est pour donner de nouvelles orientations au projet que finance l'Agence française de développement afin d'atteindre les objectifs fixés au début. Les assises ont eu lieu ce lundi à la salle de conférence du ministère de l'enseignement secondaire. À un an de la fin du projet de soutien à l'enseignement secondaire, les acteurs de l'éducation se retrouvent pour redimensionner le plan de mise en œuvre. Ceci à l'occasion de cette deuxième session extraordinaire du comité de pilotage du dit projet. À cet effet, les membres du comité vont statuer sur la prorogation du plan de financement du projet SENS. Un projet constitué d'un prêt de 15 millions d'euros et d'une subvention d'un million d'euros, soit au total plus de 10 milliards de francs CFA avec deux composantes. La composante 1 va appuyer le sous-secteur pour renforcer le pilotage et la gestion du sous-cycle pour une expansion quantitativement et qualitativement soutenable du système avec la mise à niveau du système d'information et de gestion de l'éducation, le SIGE, le renforcement institutionnel et un appui à la mise en place des normes structurantes au sein du système. La composante 2 va contribuer à l'amélioration de l'accès et à la rétention des élèves dans les collèges à travers un vaste programme de construction d'infrastructures de plus de 700 salles de classe. Le plan du travail annuel du projet est exécuté financièrement à 26,3% avec un taux d'exécution physique de 58%. Mais vu les performances actuelles, le ministère de tutelle s'engage à donner une nouvelle orientation à ce vaste projet financé par l'Agence française de développement pour plus d'efficacité. Cette session du COPIL permettra entre autres de présenter aux participants le point d'exécution du projet à fin décembre 2020, valider la restructuration de la composante numéro 1, valider le PTA et le PPM gestion 2021, approuver la prorogation du projet d'un an. Les perspectives retracées dans le PTA 2021 nous permettront de terminer les travaux de construction et de payer les entreprises, faire des avancées en ce qui concerne la carte scolaire et le SIGE. En termes de bilan à mi-parcours, le projet SENS a permis l'élaboration du document cadre régissant le sous-secteur de l'enseignement secondaire, la définition et le renforcement du système d'information, la facilitation des statistiques scolaires, l'exécution en cours des travaux de 170 modules de 4 salles de classe et 340 blocs de latrines dans 111 collèges d'enseignement général. À l'arrivée, 700 salles de classe sont prévues au total sur l'ensemble du territoire national. Et cette session extraordinaire du comité permettra aux conseillers de tout mettre en œuvre pour que les objectifs soient atteints. Un atelier de sensibilisation et de formation a été lancé ce mardi à Grand-Popo dans le département du Mono. Il est organisé par le réseau des ONG pour les objectifs de développement durable, ROD. La session de formation réunit également des membres des organisations de la société civile et des cadres des services déconcentrés et décentralisés de l'État. Au menu des travaux, l'agenda 2030 et ses outils d'opérationnalisation. Geoffroy Messant pour plus de détails. L'hôtel Bel Azur de Grand Popo accueille dans l'une de ses salles de conférence et pour trois jours des multiplicateurs ODD. Il s'agit principalement d'acteurs de la société civile ainsi que des cadres des services déconcentrés et décentralisés. En poste dans les départements du Mono et du Koufo, ils sont ici pour être sensibilisés et être formés sur l'agenda 2030 et ses outils d'opérationnalisation. L'initiative est à mettre à l'actif du réseau des ONG pour les objectifs du développement durable, RODD. Je tiens à présenter mes sincères excuses aux participants pour les reports consécutifs de l'activité, lesquels sont liés essentiellement à la pandémie de la COVID-19. Cet atelier entre dans la mise en œuvre de la deuxième phase du projet intitulé « Sensibilisation et formation des multiplicateurs ODD sur l'agenda et ses outils d'opérationnalisation ». Il bénéficie de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD,
à travers le programme d'appui à l'opérationnalisation des stratégies de développement PAST phase 2. Le développement par le peuple et pour le peuple, dit-on. Cet hasard est fort cher au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. C'est pour cela que le PNUD, à travers le PASD, appuie cette activité initiée par le RODD depuis l'année 2019 afin de mieux faire asseoir un partenariat actif et participatif de toutes les parties prenantes à la mise en œuvre et à l'atteinte des ODD au Bénin à l'horizon 2030. Les différentes communications qui vont meubler les travaux ont pour finalité de permettre aux participants de s'approprier l'agenda 2030 et les cibles prioritaires retenues dans les départements du Mono et du Koufo. C'est pourquoi je voudrais exhorter les participants à donc prêter une attention particulière à tout ce qui sera abordé au cours de cet atelier pour tirer l'essentiel afin de participer activement à la vulgarisation de l'agenda 2030 dans vos communes respectives. Mon souhait est que cette initiative, qui est à sa deuxième phase, se poursuive pour le reste des départements, car sa mise en œuvre nécessite la participation de tous et à tous les niveaux. Aussi, les organisations de la société civile ont-elles un rôle important à jouer dans la formulation de bonnes politiques et l'intégration de l'agenda 2030 dans les actions nationales et locales de développement. Nous espérons qu'avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement, à travers son projet d'appui à l'opérationnalisation des stratégies de développement phase 2, le RODE va installer sous peu dans chaque commune des ambassadeurs ODD qui vont assurer le suivi et l'évaluation de l'agenda. À l'issue des travaux, les participants devront maîtriser leur rôle et responsabilités dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du Plan national de développement, PND, et du Programme de croissance pour le développement durable, PCDD, au niveau local. Le programme d'action du gouvernement. Deuxième édition du Festival des Jeux Célébro-Ludiques. L'activité organisée par la direction départementale des Sports des Collines est inscrite au plan du travail annuel du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. La compétition a regroupé des équipes venues des différentes communes de la région. Les participants ont rivalisé de talent dans diverses disciplines, dont le jeu de domino, de belote, de dames et génie en herbe. Les détails avec Ymette Hélène Amousseau. Inscrite au plan de travail annuel du ministère, l'initiative a reçu les recommandations particulières de l'autorité en charge des sports, Osvaldo Meki. Elle vise à divertir les populations, mais aussi créer l'émulation au sein des joueurs. Pour cette deuxième édition du Festival des activités ludiques dans le département des Collines, plusieurs équipes des différentes communes ont effectué le déplacement. Au menu de la journée de compétition tenue à Dassa, des tournois de jeux de dames, de domino, de belote et de génie en herbe. Cette activité se veut être une forme de stimule pour permettre aux collectivités locales de pouvoir l'organiser dans les différentes communes. Nous avons voulu le faire en cette période de fin d'année, parce que c'est une période où la plupart des fonctionnaires sont au repos. Ça veut dire que les activités ludiques nous aident beaucoup par rapport à l'équilibre psychique. Avant le démarrage des parties, les différents joueurs ont été entretenus sur les règles générales des tournois, les interdits, pénalités ainsi que les situations exceptionnelles considérées comme cas de score ont été évoquées. Pendant les matchs qui se sont déroulés, la concentration était de mise. Les arbitres et juges ont aussi suivi avec attention l'ensemble des tournois. À la fin des différentes rencontres, les joueurs et équipes vainqueurs ont été connus. Ils ont reçu les trophées en plus des autres lots qui leur ont été réservés. L'année dernière même, c'est la commune de Save qui a eu la chance de rafler 3 sur 4 prix organisés par la direction départementale des jeux en ce qui concerne les jeux cérébro-ludiques. Pour cette année même, les joueurs de belote, les vrais joueurs ne sont pas arrivés. Nous qui sommes les amateurs, c'est nous qui sommes venus pour remporter encore le premier prix de la compétition. L'année dernière, on était ici, on a été vice-champion. On était un peu déçus, mais cette année, on s'est mis à fond, on a beaucoup travaillé et on a rapporté.
J'ai dit une fierté, pourquoi on vient de Weser et on a montré que oui, à Weser, la culture générale, pardon, c'est notre chose. J'encourage tous les jeunes à sortir massivement pour les jeux dans les années à venir. Et je prends mon temps à remercier monsieur le ministre des Sports. L'édition 2020 du Festival des activités ludiques s'est refermée à la satisfaction des participants et des organisateurs, tandis que les gagnants jubilent. Les perdants espèrent prendre leur revanche l'année prochaine. Le défi de ces Jeux, les éditions à venir, est relatif à la mobilisation d'un plus grand nombre de participants. Leur organisation au niveau de chaque commune pourrait aussi être effective en 2021, ce qui va davantage rehausser le niveau. Inauguration ce mardi de toilettes écologiques au stade de l'amitié de Cotonou. Le but du projet piloté par le professeur Placide Clédio, c'est d'offrir un espace de soulagement pour la préservation de l'environnement. Mais ces cabines, qui sont mobiles par ailleurs, présentent plusieurs autres avantages scientifiques, économiques et environnementaux. Voici le reportage de Tanguy Agoy. Franck prend du temps dans les urinoirs mobiles et écologiques installés sur l'esplanade du stade de l'Amitié à Cotonou. Du temps devenu de plaisir pour se soulager. Bien loin, ces moments de stress où trouver quelque part pour libérer sa vessie était un calvaire. Franck sort enfin tout satisfait. Très propre, commune, une très belle initiative pour rendre la ville, contribuer à rendre la ville propre. J'ai vu que c'est très efficace. Parce qu'il n'y en avait pas du tout. Je viens de sortir à la banque là. Je voulais pisser, mais je ne sais pas là où je vais pisser. Là, j'ai su qu'il y avait une toilette à côté. Je suis rentrée, c'est tellement bon, très efficace. Et je suis à l'aise. L'idée de ces urinoirs déplaçables et respectueux de l'environnement vient de cet homme, le professeur Placide Clédio, directeur de l'école doctorale de l'Université d'Abomey-Calavi, mais surtout responsable du centre de valorisation des déchets installé dans la même université. Le souci du géographe environnementaliste et aménagiste, c'est de limiter la pollution environnementale et surtout de recueillir l'urine séparée de l'eau pour d'autres utilités. Au centre Valdera, nous allons prendre l'urine maintenant et elle serait, sinon, utiliser l'urée pour pouvoir amender le sol. Nous allons mélanger avec de l'amidon. Et deuxième élément, nous allons utiliser l'urine au centre Valdera pour pouvoir fabriquer du gaz. On va faire du méthane avec. Parce que lorsque vous prenez l'urine que vous ajoutez du carbone, ça donne du méthane. Au-delà des causes scientifiques visées, l'innovation vient soulager l'Office de gestion des stades du Bénin qui se cassait vraiment la tête pour imposer un comportement responsable aux plus de 5000 visiteurs quotidiens de cet espace. Il a très vite fait de se porter partenaire sur le projet. L'alentour du stade en prenait déjà pour son grade. L'odeur de l'urine nous encombre tous les jours au stade. Et ici, ça fait partie des lieux les plus fréquentés et les lieux où les gens s'adonnent à ces mauvais comportements. C'est un ouf de soulagement pour nous, car la gestion des usagers en ce qui concerne les lieux d'aisance était pour nous un véritable problème, tenant compte de l'inexistence quasi totale d'urinoirs publics dans Cotonou et plus particulièrement dans notre environnement ici, celui du stade de l'Amitié. Ceci n'est que la phase expérimentale. Pour définir en 3 mois d'observation, les frais à payer et les éventuels réajustements à faire avant toute extension. Les 2 cabines de la phase essai sont situées sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié. Les différents acteurs impliqués dans le projet de campagne de lutte contre les grossesses précoces dans le département de l'Atakora prennent part depuis ce mardi à un atelier de revue annuel de leur plan d'action. Il s'agira pour la sous-section santé sexuelle reproductive des adolescents et des jeunes de la direction départementale de la santé de l'Atakora de faire le point des activités déjà menées et projeter des perspectives pour l'avenir. Cet atelier de 2 jours a été lancé ce mardi à Tangueta par le préfet de l'Atakora. Suivant. Faire l'évaluation de la mise en œuvre annuelle des plans communaux de lutte contre les grossesses précoces dans l'Atakora.
Voilà l'objectif de cet atelier de revue annuel de plan d'action de la campagne de lutte contre les grossesses précoces initiée à Tanguieta par la direction départementale de la santé à Takora. Aujourd'hui, nous sommes à Tanguieta pour faire le point de toutes les activités que nous avons programmées. D'abord, dans le plan départemental SRHJ, pour l'année 2019-2020 et faire le point des plans communaux que nous avons élaborés pour ces quatre communes d'intervention du projet. Nous allons revoir tout ce qu'on avait programmé. Est-ce que nous avons pu le faire? Qu'est-ce qui reste à faire? Quelles sont nos difficultés? Quelles sont nos perspectives pour les fois à venir? Quatre communes, Materi, Kobli, Kwande et Kérou, sont concernées par ce projet, soutenu par Plan International Bénin et dont les résultats commencent à encourager. Je voudrais, en ce moment, témoigner la gratitude pour l'intervention du projet dans les quatre communes. Donc, au nom de mes pères qui ne sont pas ici, mais qui se sont fait représenter, pour remercier Plan International Bénin, qui a bien voulu accompagner cette initiative qui a commencé il y a quelques années avec Madame le Préfet. Donc je voudrais très sincèrement remercier tous les acteurs qui interviennent dans cette lutte. Et je pense que ce que nous faisons, bien ce que vous faites, est vraiment à saluer. Initiatrice d'un projet semblable appelé Zegromis, depuis sa prise de fonction à la tête du département de la Takora, Madame le Préfet, en procédant au lancement du présent atelier, a dressé les statistiques liées aux grossesses précoces dans la Takora avant d'exhorter les uns et les autres à continuer les efforts communs. La santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes demeure un sujet à réflexion au regard des problèmes auxquels sont confrontés ces derniers et des indicateurs en santé qui traduisent leur situation. Des résultats de l'étude de faisabilité du projet réalisé dans ces quatre communes cibles, il ressort que l'insuffisance des moyens de subsistance pour les filles, l'insuffisance de connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive parmi les jeunes, l'utilisation limitée des méthodes de planification familiale, les normes socio-culturelles, le mariage précoce, ainsi que la non-application des tests de loi sont des facteurs contribuant à ce phénomène. Mettons alors tout en œuvre pour inventer les conditions de santé adaptées et appropriées pour nos populations. Cet atelier de revue annuelle de plan d'action de la campagne de lutte contre les grossesses précoces qui se tient dans la salle de réunion de la mairie de Tanguieta dure 48 heures. La première édition du tournoi Inter-COGEPAF a connu son épilogue le week-end écoulé. Organisée par l'Office national du bois, la compétition a réuni les équipes des arrondissements riverains des forêts sous gestion de l'ONAB. À l'issue d'une finale âprement disputée, c'est l'équipe d'Agrim FC qui a remporté l'édition 2020. Suivant. Épilogue du tournoi de foot entre les comités de gestion participative des forêts de l'Office national du bois ONAB de la zone sud. En maillot rouge, l'équipe de Tofo est aux prises avec celle d'Agrim vêtue en bleu. Dès le coup d'envoi, les Bleus prennent tout à leur compte et marquent 5 minutes après le premier but de la rencontre. Coup pour coup, les Rouges réagissent et rattrapent leur retard en marquant le premier but de l'égalisation. Un but partout, le score restera ainsi jusqu'à la mi-temps. Le sport sera pour nous un bon moyen pour sensibiliser les populations. Nous sommes dans une activité assez sensible, la forêt. Et comme vous savez, la forêt est indispensable pour la lutte contre les changements climatiques. Et en même temps, la forêt est aussi aujourd'hui l'élément principal dans l'économie verte. La finalité de ce tournoi, c'est déjà lancer ce pont-là entre nous et les populations qui savent que désormais, nous allons organiser ce genre de tournoi au niveau des villages et des arrondissements riverains afin de pouvoir faire contribuer à l'épanouissement du sport dans notre pays. C'est grâce aux communautés que l'ONAB arrive
à protéger la forêt contre les feux de végétation, contre les coupes frauduleuses, les vols organisés. Et c'est grâce à ces populations que l'ONAM arrive à réaliser ces activités qui sont planifiées. Et il y a des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui entourent nos forêts. Donc nous avons intérêt à rester en bon terme avec eux. À la reprise, les deux équipes affichent leur détermination. Dans chaque camp, on va noter alors beaucoup d'initiatives individuelles, des gestes techniques et des tentatives vaines pour aggraver le score. Mais jusqu'à la fin du temps réglementaire, le score est resté inchangé. À l'épreuve des tirs au but, Agrimé FC réussit 4 tirs contre un seul pour son adversaire. L'équipe des Bleus remporte le tournoi et donc le trophée ainsi qu'une enveloppe financière de 500 000 francs. On remercie Dieu qui a fait qu'on a gagné parce que ça n'a pas été facile, mais on a joué 1-1 et c'est à la pénalty et on vient de gagner. On dit merci à ce tout puissant. Dans l'ensemble, c'est pas mal. L'équipe a joué. Bon, au-delà de tout, il y a une équipe gagnante et il y a une équipe perdante. Malheureusement, la chance n'est pas de notre côté. On doit prendre ça sportivement. Cette activité sportive que nous sommes en train d'organiser a adouci un tant soit peu les relations entre l'ONAV et les populations riveraines. Le perdant de la finale, Tofo FC, reçoit une enveloppe de consolation de 250 000 francs CFA. Les équipes occupant les 3e et 4e rangs ont aussi reçu une enveloppe. L'organisation de ce tournoi, il faut le rappeler, répond à la volonté du gouvernement de promouvoir le sport en général à travers l'implication des sociétés et offices d'État ou du secteur privé. Après cette première édition réussie, les organisateurs pensent déjà à la prochaine qui se tiendra bientôt. Toujours dans le même registre, l'association des anciens footballeurs Azaf de Comé a remporté ce samedi la première édition du tournoi des vétérans des plus de 40 ans. Organisé dans le Mono par la direction départementale des sports, la compétition a connu son épilogue au stade Omnisport de Locosa. Pour son sacre, l'Azaf de Comé a disposé en finale de l'équipe vétéran FC de Grand Popo par le score de 2-0. Geoffroy Messin pour les détails. Après la gymnastique, la marche et le fitness, la direction départementale des sports du Mono s'intéresse au football comme sport d'entretien. Et pour avoir une meilleure vue sur les acteurs concernés par ce football sur son territoire, elle a initié un tournoi de football dont l'épilogue se joue sur la pelouse synthétique du stade Omnisport de Locosa. Nous, ça me fait plaisir de comprendre que davantage, le sport devient l'apanage de toutes les couches. Et je voudrais vous inviter à continuer dans cette dynamique. La compétition est la fin de ce jour. Ce n'est pas pour un sport d'élite que nous sommes là. Nous sommes là pour une distraction. Nous sommes là pour le maintien de la forme, comme on vient de le dire. Dénommé tournoi des vétérans, la compétition a été réservée aux plus de 40 ans. La finale qui se joue ici à mise aux prises, Vétérans FC de Grand Popo, Anvers, et ASAF, Association des anciens footballeurs de Comé, en bleu-blanc. Le score à la fin du temps réglementaire a été de 0 but contre 2. On est sortant de la droite vers la gauche, attention! Les impressions sont d'abord des impressions de joie, de satisfaction. Vous savez, le parcours a été un parcours de combattant. Et donc, on s'est retrouvé en finale tout en méritant notre place. Cette finale, nous étions préparés pour partir avec le trophée. Ça a été chose faite, c'est une joie pour nous. Soulevez, s'il vous plaît. La rencontre a été plaisante et s'est déroulée dans un bon esprit de fair play. Ces acteurs sur l'aire de jeu se sont rappelés aux beaux souvenirs des spectateurs par quelques gestes, comme c'est le cas ici de l'ancien international, le portier Thomas Gillan. Mes impressions sont bonnes. C'est une occasion pour nous de nous mettre encore une fois en valeur et de prouver ce que nous avons fait pendant notre jeunesse. Je souhaite que cette édition ne soit pas la dernière, que ça se pénalise dans le temps. Ce n'est pas
la fin qui compte, mais c'est le moment de convivialité, de partage qui fait plaisir. Pour cette compétition, organisée par la Direction départementale des sports du Mono, 8 équipes étaient sur la ligne de départ. Les confrontations ont duré 3 semaines pour s'achever sur ce sacre de la ZAF de Cobain. Déjà, vous avez vu, nous avons donné un trophée, nous avons donné un jeu de maillot, nous avons donné de ballons, nous avons donné de gants. Le ballon doit pouvoir continuer par rouler pour ces personnes qui veulent travailler et donc un peu de matériel pour les accompagner. C'est donc le but et nous espérons que nous aurons d'autres éditions pour formaliser davantage la chose et que les gens s'entraînent davantage pour maintenir leur santé, qu'ils soient beaucoup plus productifs dans les différents corps de métier dans lesquels ils sont, dans leur profession et que la nation se porte mieux. Ce tournoi des vétérans est à sa première édition. Des lots de récompenses ont été distribués aux 3 premières équipes du tournoi. Voilà, je l'annonçais en début d'édition, une invitée dans ce journal, Sonia Lonomba, elle est la responsable du secteur sud-ouest de Canal Plus Bénin. Bonsoir Sonia Lonomba. Bonsoir Monsieur Rich. Depuis un certain temps, nous avons remarqué que Canal Plus est devenu un peu comme le Père Noël en cette période de fin d'année. Des promotions lancées pour offrir le sourire aux populations. Dans quelques heures, la fin de l'année 2020, qu'est-ce que Canal Plus a prévu pour ses abonnés? Alors là, merci déjà Monsieur Ulrich. C'est vrai que Canal Plus est devenu le Père Noël, pas en quelque sorte. Hein. Canal Plus est devenu le Père Noël depuis ce décembre-là, 2020. Là, nous sommes plus rapprochés de nos abonnés. Oui. Et nous avons souhaité fêter ensemble avec nos abonnés. Et cela met en relief quand même la promotion dont nous allons parler maintenant. C'est une promotion sur le réabonnement, au fait. Oui, c'est vrai que vous aviez lancé il y a quelques jours une promotion. Je crois qu'elle est terminée. Quelles sont aujourd'hui les spécificités de l'offre que vous voulez faire, de l'offre que vous voulez faire actuellement à vos abonnés? Ok, actuellement, l'offre que nous faisons actuellement, c'est sur le réabonnement, je le disais tantôt. Le réabonnement, c'est-à-dire nous invitons tous nos abonnés de Canal+, aussi bien actifs qu'échus, à se rapprocher de tous les points de vente de Canal+ pour faire leur réabonnement. Quelle que soit la durée de l'abonnement, ils seront satisfaits. Et là, Canal+ met là, pour cette promotion, un pack, disons, ouais, de tout Canal. On donne tout Canal aux abonnés pour 15 jours. Donc, quand tu te réabonnes là, aujourd'hui, quel que soit le bouquet, quel que soit l'abonnement à laquelle tu te souscris, tu souscris au fait, tu as droit à 14 jours de toutes les chaînes, en fait. Pourquoi pas les 30 jours en même temps, ou les 31 jours, ou les 31 prochains jours? Ah non, mais 30 jours. Non, mais on peut aller plus loin. Hein. Il faut dire que l'offre, là, permet quand même à l'abonné d'en profiter deux fois. Donc, ça veut dire, en cumul, ça fait 30 jours. L'abonné pourra en profiter deux fois, c'est-à-dire un abonné Canal+, qui se rend dans un store Canal+, ou bien dans un point de vente Canal+, pour faire son réabonnement. Quand il fait un réabonnement de 2 mois, il en profite sur deux fois, c'est-à-dire au premier mois, il a 15 jours de toutes tes chaînes. Et au deuxième mois également, au début de l'abonnement, il a également 15 jours de toutes tes chaînes. Donc, c'est valable aussi bien pour nos abonnés actifs que pour nos abonnés échus. Même si le décodeur est coupé depuis 6 mois, depuis 1 an, ils peuvent réellement en profiter. Tout de suite là? Tout de suite là. Et il ne faut pas oublier que le nouveau principe de la semaine généreuse fait que nos abonnés en profitent instantanément. La semaine généreuse aujourd'hui permet à nos abonnés dès réabonnement de profiter de l'offre instantanément. Mieux encore, quand un abonné qui est fidèle, le principe vraiment de la semaine généreuse est mieux récompensé pour nos abonnés fidèles. Un abonné fidèle qui se présente aujourd'hui dans une boutique Canal+ ou dans un point de vente Canal pour faire son réabonnement et il vient se réabonner 7 jours, soit un peu plus que 7 jours avant la fin de son abonnement, il profite déjà de la semaine généreuse classique, c'est-à-dire les 7 jours de semaine généreuse qu'on a l'habitude de donner à nos abonnés. Il en profite déjà, c'est-à-dire, je donne un exemple simple, j'ai un abonné qui fait un abonnement évasion. Vous voyez, là, il part en boutique pour faire son réabonnement de évasion. Il vient se réabonner avant, 7 jours avant la fin de son abonnement. Il profitera instantanément de la semaine généreuse classique, c'est-à-dire les 7 jours de évasion plus. C'est de ça qu'il va profiter. Et au début du nouveau réabonnement, il va là profiter des 15 jours de toutes les chaînes.
Donc ça veut dire que chaque fois que quelqu'un s'abonne aujourd'hui, la personne a la possibilité d'avoir tout Canal+. Tout Canal+. Pendant combien de jours? 15 jours. 15 jours. Oui. Voilà. Et dites-nous, comment on doit, où peut-on se réabonner aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de, tout, de cette offre-là, de cette offre généreuse que vous êtes en train de faire aux populations? Aujourd'hui, nous avons tellement cultivé ce principe de proximité avec nos abonnés. Nous pouvons, nos abonnés peuvent se réabonner partout où se trouve un Canal+, un distributeur agréé, un Canal Store, c'est-à-dire les Canal Store, c'est les boutiques directes de Canal+. Et quand je prends les distributeurs agréés, ce sont nos partenaires. Ils donnent les mêmes prestations que nos boutiques en propre. Même à des heures tardives de la nuit. Tard la nuit, là, comme vous le demandez, c'est très important là. Il va falloir que nos abonnés sachent qu'ils peuvent se réabonner depuis leur fauteuil par Mobile Money ou par Move Money. Par Mobile Money, c'est étoile 400 dièse et par Move Money, c'est étoile 155 dièse. Voilà. Un message à vos abonnés avant qu'on se sépare, un message à vos abonnés et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés Canal+. Ok. Déjà là, je suis un peu dans le regret de dire à nos futurs abonnés Canal+ qui n'ont pas pu profiter de notre promotion sur le matériel qui est fini le 23 décembre passé. Nous leur disons quand même que Canal+ a toujours baissé ses prix. Le prix du matériel aujourd'hui, c'est à 5 000 francs, le décodeur plus la parabole, à partir d'un abonnement de 10 000 évasions. Donc, ils peuvent toujours se rendre dans les points de vente pour mieux en profiter. Là encore, nos abonnés qui existent déjà, qui sont nos abonnés fidèles, ils n'ont qu'à se rendre dans les points de vente pour pouvoir profiter de l'offre réabo qui est en cours actuellement. Cette offre finit le 31 décembre. Donc, il ne nous reste que 2 jours pour en profiter. Merci à vous Sonia Lonoba, je rappelle que vous êtes responsable du secteur sud-ouest de Canal+. D'abord, c'est quoi le secteur sud-ouest de Canal+? Ok, le secteur sud-ouest de Canal+, au fait c'est un secteur qui couvre 3 départements. J'ai en charge le département de l'Atlantique, de Mono et du Koufo. Voilà. C'est ça qui rassemble le Merci d'être passé sur ce plateau, merci à vos chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce journal. C'est sur cette belle note de Canal+, cette belle offre de Canal+ Bénin que nous allons refermer cette édition sur Canal 3 Bénin. Portez-vous bien.